Voici les quatre garçons et voilà notre fiche. Notre pop sur la loi d'homme. La loi d'homme est une loi qui stipule que la tension qui est représentée par U est égale au produit de la résistance par l'intensité. Nous allons vérifier si cette loi est juste expérimentalement en mesurant la tension, l'intensité et la résistance dans notre circuit. Nous avons utilisé un circuit simple qui est notre support de mesure. Nous avons un petit mètre qui nous permet de mesurer cette tension. Nous commençons par mesurer la résistance du résistant hors du circuit. Après avoir mesuré la résistance, nous allons la brancher dans notre circuit pour pouvoir mesurer l'intensité. C'est-à-dire l'intensité du circuit qui traverse Nous allons commencer par mesurer la résistance. Comme mon collègue l'a dit précédemment, la résistance se mesure en dehors du circuit face au résisteur. Nous allons brancher les deux bords, deux sorts du multimètre afin de mesurer la résistance. En mesurant la résistance, nous avons trouvé 22,3. Donc R égale à 22,3 ohms. Maintenant, nous allons mesurer l'intensité de notre circuit. L'intensité, c'est mesurer en ouvrant le circuit. Nous allons ouvrir et connecter les deux ports du résistant. Au centre rouge et noir de notre multimètre. Afin de la mesurer, il faut brancher la sonde rouge à la borne en vert et tourner le calibre vers titre. L'intensité moteur I égale à 0,1 en vert. F6, nous avons eu à placer un morceau de fer.
Et dans le morceau de verre, grâce à ça, nous avons... En voyant le rouge qui a apparu, nous pouvons donc confirmer que notre enfant réussit parce que la couleur rouge nous montre que qu'il y a la présence du couleur. Donc merci pour votre attention et je vous mets le micro au modérateur. Mais je vais, dans un premier temps, remercier notre Dieu qui, par sa grâce, a touché les cœurs de beaucoup de parents pour inscrire les enfants au sein du complexe scolaire Emmanuel. Nous arrivons au terme de cette année scolaire 2023-2024. Nous reconnaissons qu'il y a eu des hauts et des bas, des délais. Nous bénissons l'Éternel qui a touché et aidé les parents qui ont accompagné les enfants au quotidien et fourni des efforts considérables, alliant les activités professionnelles à la scolarité des enfants. Mesdames, Messieurs, chers parents, je ne peux que vous remercier et chaque jour, je prie l'Éternel pour qu'il vous accorde une longue vie, pour qu'il vous accorde une bonne santé, mais aussi pour que chaque parent puisse suivre dans les bonnes conditions le travail de son enfant ou le travail des enfants. Cette année avait débuté par le renforcement des capacités qui avait eu lieu courant août 2023. Et le renforcement des capacités est devenu une règle au sein du complexe scolaire Emmanuel. Pendant les vacances, nous avions toujours 2 semaines de renforcement des capacités pour les éducatrices et pour les enseignants du primaire. Par la grâce de Dieu, nous atterrissons en douceur et nous reconnaissons que ce que nous avions prévu tout au long de cette année scolaire, par la grâce de Dieu, nous avions pu le faire. En réalité, nous avions effectué les devoirs à faire à la maison et les devoirs à faire en classe. Nous avions effectué les TD, mais aussi les évaluations mensuelles depuis le mois d'octobre. Nous avions également eu à faire les évaluations mensuelles et bimestrielles, les devoirs départementaux, les examens blancs départementaux et locaux. Le suivi permanent des éducatrices et des enseignants par les encadreurs pédagogiques. Par la grâce de Dieu, nous avions des encadreurs à la maternelle, au primaire, au collège et au lycée. Nous avions, comme vous venez de le constater, lié la théorie à la pratique avec l'outil informatique et le laboratoire de microsciences. Ces efforts nous ont permis d'inculquer aux apprenants le nécessaire pour le savoir, mais aussi pour la vie. Toutes nos félicitations maintenant aux lauréats qui n'ont rien lâché durant cette période difficile. Je remercie
tout le personnel du programme français pour le travail accompli. Chers parents, je vous félicite pour le soutien que vous avez apporté à vos enfants, aux équipes pédagogiques, mais aussi pour le paiement des frais d'écolage. Je suis aussi conscient de la fatigue après 9 mois de cours. Soyez assurés, mesdames et messieurs, chers parents, qu'après 18 ans d'exercice, notre volonté est de nous projeter vers les meilleurs résultats. Nous allons, dans les minutes qui suivent, vous donner le travail que nos enfants ont eu à faire, à produire. Mais ce travail sera à moitié, ces résultats seront à moitié, parce que nous n'avions pas encore les résultats du CEP, du BPC et du BAC. Nous avions les résultats des élèves du CP jusqu'au SEM 1, de la 6e en 4e et de la 2e en 1e. Bien sûr, il nous faudra encore beaucoup d'efforts à faire. C'est ce qui fait que pour la prochaine rentrée scolaire, si l'an dernier c'était le laboratoire de microsciences, l'année qui arrive, par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir une infirmerie au sein du complexe scolaire Emmanuel V. Et pendant ces vacances, l'école met à la disposition des élèves, des enseignants aussi, et du personnel, pourquoi pas aussi des parents qui désirent la formation en informatique, mais nous avions également la formation pédagogique. Pendant près de 45 jours, 2 mois, nous allons former les enseignants, les éducatrices, les enseignants du primaire, pour ceux qui ont un minimum de niveau du bac, pourquoi pas de la licence, ils peuvent s'inscrire au niveau du label Emmanuel. Nous avions une formation pédagogique qui va débuter le 8 juillet. Pour les admis au CEP, pour le moment les résultats ne sont pas connus, mais nous avions une transition. Nous avions remarqué que beaucoup d'enfants qui quittent la classe, le primaire, ont des difficultés pour s'adapter avec le collège. Nous mettons à la disposition de ces élèves, pendant les vacances, une formation de transition d'un mois qui va leur préparer aux études secondaires. À nos apprenants, à l'aube de ces vacances, je tiens à vous féliciter pour votre niveau de fréquentation, qui est louable, et la discipline observée pendant cette année. Les vacances arrivent, vous les aviez méritées. Prenez donc du temps pour vous refaire, afin de reprendre l'année prochaine dans les meilleures conditions physiques et intellectuelles. Nous vous exhortons à privilégier la prière, les jeux dignes et de temps en temps la relecture de vos cours et de reprendre les exercices. À notre niveau, la campagne des inscriptions et réinscriptions a déjà commencé. Nous avions même donné une promotion qui a débuté depuis le 20 mai et qui prendra fin le 20 juin. Les cours vont reprendre le 9 septembre 2024 au complexe scolaire Emmanuel V. À toutes et à tous, passez de bonnes vacances dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie.
Le modèle de 79 élèves. 79 élèves présents, 77 admis, 2 échoués. Niveau C1, 3 classes pédagogiques, 60 théories présentées, 62 admis, 6 échoués. CE2, 4 classes pédagogiques, avec un effectif de 81 élèves, admis 83, échoués 5. 5-1, 3 classes pédagogiques. 62 élèves, 61 admis, 1 échoué. Donc, total, nous avons 297 élèves avec 283 admis, soit un pourcentage de 95,21 et 14 échoués. Pour cette année, la particularité est que nous n'avons pas racheté les échoués. On n'a pas racheté cette année, on a mis l'accent sur le travail. Donc, Madame Lila va passer pour vous donner les résultats par classe. Donc, les 5 premiers, je vous remercie. Qui a présenté 15 élèves et sur les 15, il y a aussi 15 admis, soit un taux de réussite de 100%, égalé 0. En première scientifique, il y a 19 présentés, 19 admis, soit un taux de réussite de 100%. Au lycée général, donc, nous avions 100 élèves présentés. 100 élèves présentés, 99 admis, soit un taux de réussite de 99% et un récalé, soit un taux de réussite de 1%. Au niveau du lycée technique, nous avions 2 classes, soit une classe de première, une classe de seconde technique et une classe de première. Alors, en seconde tronc commun, nous avions 25 élèves, 23 admis, soit un taux de réussite de 92%, 2 refusés, soit un taux de réussite de 8%. En première G2, nous avions 20 élèves, 19 admis, soit un taux de réussite de 95% et un recalé, soit un taux de sec de 5%. Le total au niveau du lycée technique, nous avons cette année au lycée technique dans les classes intermédiaires fonctionné avec 45 présentés, 42 admis, soit un taux de réussite de 95,33% et un taux de réussite de 6,67% avec 3 refusés. Comme à l'école primaire, cette année, nous n'avons pas racheté. Nous avons tenu compte du travail des enfants. Je vous remercie.
Première de la classe avec 8,82. L'élève
travaille souvent à la maison. Je lis mes leçons et j'essaye de revoir ce qu'on fait en classe. Et à l'école, c'est plus facile vu qu'il y a des profs. Les professeurs expliquent très bien et continuent, donnent des exercices et pour la bonne compréhension, donc ça aide beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir été nommée lauréat. Je dirais qu'ils devraient lire leurs leçons plus souvent, qu'ils doivent s'exercer à la maison, écouter les professeurs, ne pas trop suivre les autres parce que les mauvaises compagnies sont souvent très mauvaises pour les jeunes. Et aussi d'être très respectueux et attentif en classe. Je m'appelle Gabousso Arthur Nathan, élève en classe au 4e FNAM, au complexe scolaire Emmanuel 5. Je suis vraiment content les mêmes moments qu'on fait pour exprimer ma gratitude envers l'école et Dieu. Car sans Dieu, cela n'aurait pas été possible. La réussite n'a que deux méthodes, la prière et la lecture. Bon, le message que je les lance, de persévérer dans la lecture, d'avoir la volonté de lire et de continuer à suivre très attentivement les directives des enseignants. La tricherie n'est pas une méthode de réussite, mais plutôt une méthode de chute. Car aujourd'hui tu triches, tu as eu, mais le jour où on va t'attraper, tu seras déçu. Vaut mieux juste lire, fournir un effort nécessaire pour réussir. Je suis Monsieur Goulou Jean-Jacques, promoteur du complexe scolaire Emmanuel. Aujourd'hui, nous sommes samedi 8 juin. C'est l'émulation scolaire du complexe scolaire Emmanuel 5. Le label Emmanuel a plusieurs sites, mais ça, c'est le site du programme français. Ils ont débuté les cours depuis le 6 septembre et aujourd'hui, le 8 juin, nous venons de clôturer par une émulation scolaire. Les résultats, je peux dire par la grâce de Dieu que je suis satisfait. Vous aviez suivi qu'il y a eu même un élève qui a fait une moyenne de 18. Il y a d'autres même une moyenne de 17. Et les résultats ont fait de sorte qu'au collège, nous avions deux niveaux qui ont fait 100%. À partir de ce moment, on se réjouit un peu du travail abattu, pas par moi, mais par les enseignants dans les différentes salles de classe et dans les différents GAP. Le complexe scolaire Emmanuel n'est pas simplement géré par moi. Moi, je suis promoteur, mais chaque site a un responsable. Et à l'intérieur de chaque site, lorsque nous avions le cycle préscolaire, donc la maternelle, le primaire, le collège, le lycée, chaque niveau, il y a un directeur des études au secondaire premier degré, directeur des études au secondaire deuxième degré, directeur du cycle primaire et au niveau de la maternelle. Ce sont ces derniers qui travaillent en collaboration avec les encadreurs pédagogiques. Parce qu'à chaque cycle, nous avions également les conseillers pédagogiques, les inspecteurs. Nous, le secret, c'est la prière. Nous comptons sur la prière et l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que même Jésus-Christ est ressuscité dans le livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre, lorsque vous allez lire, on dit le Seigneur Jésus parle, mais après avoir reçu, par le Saint-Esprit. Jésus ressuscité ne parle que par le Saint-Esprit. Et nous qui avions accepté Jésus, nous ne disons pas que nous avions atteint ce niveau, non. Nous disons qu'on s'efforce, par la grâce de Dieu, d'essayer d'écouter l'Esprit de Dieu et de faire ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Pendant les grandes vacances, nous ne laissons pas les enseignants au repos. Les éducatrices du préscolaire et les enseignants du primaire, ils ont ce que nous appelons par le renforcement des capacités. Et le renforcement des capacités a lieu généralement la deuxième quinzaine du mois d'août. Et nous avions deux semaines où, au regard de ce que les encadreurs pédagogiques ont observé le long de l'année, on revient sur certains aspects sous discipline. Peut-être la grammaire, peut-être l'orthographe grammaticale, peut-être l'expression écrite, selon ce que les encadreurs pédagogiques ont décelé, un peu, je ne peux pas dire de négatif, mais oui, il y a eu une baisse peut-être de rendement des enfants et ils vont faire. Là, par exemple, nous sommes sur le Tsakamo parce qu'on a vu qu'on a des problèmes sur la dictée. Et la base de la dictée, c'est la lecture. On nous a parlé d'un Tsakamo, nous avions tendu la mèche. Les bras pour qu'on essaie de voir si par cette méthode de stimulus Ntsakamo, ça peut relever. Vous avez vu que certains enfants commencent à lire le roman. Et cette méthode, son efficacité, c'est parce que l'enfant décèle les mots difficiles qu'il ne connaissait pas et il essaie de chercher même les explications ou l'orthographe. Nous, avec tous les élèves, nous avions eu le 30 mai, la prière.
avec tous les candidats, et au CEP, et au BPC, et au BAC. Ça, vous pouvez demander même aux élèves. Mais ça s'est fait dans une église. Donc nous confions tout à la prière. Le 30 mai, nous avions eu ici à Brazzaville une journée de jeûne et prière avec tous les élèves qui font l'examen. Je viens là de Pointe-Noire, où le jeudi passé, le jeudi 6, je viens d'avoir des moments de prière avec les candidats au bac des élèves de Pointe-Noire. Nous remettons le problème entre les mains de Dieu. Au niveau du programme français, nous travaillons en plein temps. De la maternelle jusqu'au lycée, on travaille jusqu'à 16 heures. Et au niveau du primaire jusqu'en terminale, ils ont les TD tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis. Ils ont des devoirs à faire à la maison qu'on leur donne par semaine trois fois selon le calendrier. Lorsqu'ils ont TD les lundis, lorsqu'ils terminent à 16 heures, on ne donne pas les devoirs à faire à la maison. Mais les mardis, les jeudis et vendredis, on donne des devoirs à faire à la maison. Mais si c'est le mot de la fin, c'est d'abord demander aux élèves de veiller sur les conseils qu'ils ont reçus et des enseignants et des encadreurs pédagogiques le long de l'année. D'essayer par la grâce de Dieu de prier avant même de faire le TD.